appris à me relever. La famille, le lobby, y'a que ça de vrai. J'y passe rap que de refrain. Dans une merde par regard. Noël, eux, c'est pas la même. La vie, c'est dur, fais avec quand même. Reste auprès de la famille, sois OP. Quand y'a train, y'a pas trop de thunes. Protéger les siens, reconnais les liens. Y'a rien de si bien. J'avais besoin de tout, j'avais besoin de rien. Ah ouais. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, en direct de 3. Vas-y, je suis avec un frérot, tu vas te présenter déjà un peu pour commencer. Ouais, y'a pas de soucis, tu connais. Bah, je me présente, moi c'est IB, je viens de 3. Tu connais, ça fait pas longtemps que je fais de la musique, je débute. Je suis sorti de prison il y a pas très très longtemps. Ça fait quelques mois là, je fais du son, y'a des petits projets qui arrivent. Et voilà quoi. Ok mon gars, puis t'as commencé quand et comment la musique toi? Bah déjà quand j'étais en taux, j'écrivais un peu, tu vois. J'écrivais un peu, tu vois, des petits textes vite fait, tu vois, histoire 2, tu vois, le soir. Après, vas-y, quand je suis sorti là il y a quelques mois, j'avais des potos à moi, tu vois. J'ai vu, ils faisaient du son, ils m'ont fait écouter du son, tout ça. J'ai vu, c'était chaud, c'était à fond dedans, tout. Ils m'ont motivé. Je me suis mis à écrire un peu plus, tu vois. Et là, depuis, j'écris. Et vas-y, j'arrête pas depuis, tu vois. Ok, mon gars, t'as fait un clip toi aussi. Ouais, j'ai fait un clip. Je te laisse un peu en parler, ouais. Ouais, on a fait un petit clip histoire de voir ce que ça peut donner, tu vois. Avec 4 potos à moi. Tu vois, et vas-y. On n'a pas eu beaucoup de vues, tu vois, c'est le début. Après, vas-y. T'inquiète pas, il y a là le nouveau projet qui arrive. T'inquiète, ça va faire mal aux yeux. T'inquiète, mon gars. Alors, du coup, ton style de rap, tu te définis comment, toi, exactement? Je sais pas comment t'expliquer. Frère, je fais du rap. Pour moi, tu vois, mon rap, c'est un peu rap comme à l'ancienne, tu vois. Frère, moi, je suis pas là, tu vois, je fais du son, tu vois. Mais frère, je sais pas comment t'expliquer, cousin, c'est... Je sais pas, frère. Voilà, je sais pas. Bref, de toute façon, vas-y. Ok. T'inquiète pas, on verra. De toute façon, les gens, ils verront bien. Et vas-y, y'a pas de soucis. Ok, puis alors ici, dans ta ville, y'a pas mal de gars qui font des sons un peu plus posés. Est-ce que ça te tente, ça, toi? Bah, des sons posés, moi, ça me tente, tu vois, mais pas des sons... Moi, je te mens pas, frère. Sons posés, ouais, j'aime bien, tu vois, j'aime bien. Mais moi, tu connais, je suis plus la cité et tout ça, tu vois. Ouais. Je te mens pas, cousin. J'aime bien, tu vois, comme mon gars Cisco, là, il est avec moi, c'est un petit de mon quartier. Force à lui, ajoutez-le. Moi, je vous dis, il arrive, il va faire du sale. On est derrière lui, on soutient fort. Et vas-y. Ok, bien vu, mon gars. Puis, est-ce que t'as des rappeurs qui t'influencent un petit peu, là, qui te donnent envie d'écrire, je sais pas, qui... Je te mens pas, il y en a beaucoup qui m'inspirent. Bah, depuis que je fais de la musique, frère, j'écoutais des rappeurs, comme The Guerre. Tu vois, The Guerre, je te mens pas, il m'inspire de ouf. Voilà, ouais. Il a un style de fou. Il m'inspire de fou. Y'a qui encore? Il y en a plein, frère. Voilà, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Okay. Il y a du choix. Puis alors, dans ta ville ou ton quartier, tu comptes faire quelques featuring ou des collaborations ou quelque chose? Ouais. Là normalement, il y a un son qui va arriver là avec un poteau à moi, il s'appelle Siété. Allez voir ses clips, Siété. Il est très, 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 très bon. Et normalement, il y a un clip qui va arriver là avec lui. Et après, il y a encore des anciens d'ici aussi. Il y a des futurs qui vont se faire là dans pas longtemps. Ça manque juste un petit peu de patience et t'inquiète pas, ça va venir. Ok, puis t'as des projets, genre une mixtape, un EP, quelque chose? Franchement, pour l'instant, non. Pour l'instant, j'essaie de... Parce que je te mens pas, hein. Je suis bon, tout ça. Mais franchement, je suis pas satisfait de moi, tu vois. J'ai du travail encore un peu. Quand je serai prêt, t'inquiète pas, frère. Ok, puis des clips peut-être, des prochains clips. Ouais, des clips qui vont venir, il y aura des petits freestyles, des petits trucs qui vont venir par-ci par-là, vous inquiétez pas. Ok, lourd mon gars, puis ouais, j'ai pas posé la question trop à tout le monde ici de ça. Dis-moi, mais est-ce qu'il y a des réalisateurs, des mecs comme ça de clips dans cette région-là? Il y en a. Franchement, j'en connais un ou deux, tu vois. Je te mens pas, ceux qui ont mon clip, c'est deux types comme ça, deux petits bons. Leur truc, c'est Clippens, je sais pas si tu connais. Clippens, franchement, ils sont bons. Après voilà, après les autres je connais pas trop, tu vois. Et ok, voilà. Bien vu. Puis ouais, la dernière question de l'interview, la question bonus. Ouais, est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Moi, bah frère, pas photo, frère, le Real de Madrid, mon gars. Ouais. Haigo, CR7, tu connais ou pas? Et ouais, du sale, mon gars. Du sale. Bien vu. Alors ouais, t'as dit ton Insta tout à l'heure, t'as pas dit... Ouais. T'as tout dit comme réseaux sociaux ou quoi, poto? Bah ouais, j'ai Insta, j'ai Snap, Facebook, j'ai, c'est Ibra KOTC. Ibra KOTC, vous tapez Ibra KOTC, vous allez trouver. Et Ibra 225, c'est mon Insta. Mon Snap, c'est WBONY1. Et voilà. Ok, ça marche. Vous pouvez me suivre, y a pas de soucis. Merci à toi, mon gars. En tout cas, ça fait plaisir. Tu connais, avec plaisir, frérot. Puis vas-y, big up. Tu connais, y a pas de soucis. Allez, ciao tout le monde. Ensemble, les gars.
J'appelle mon petit ref, il te met des coups. Refaire la déco, des mecs d'Ateco. Mon premier bédo, c'était du doré. Gros, j'ai toussé. Des années plus tard, des litros, j'ai poussé.